Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Clark Franck pour un nouvel épisode de Starfield. Je nous emmène donc au cratère, le repère naturel, précédé de son cratère bien sûr. Mais quel beau cratère. Hein. Et quand d'ailleurs tout à coup je me suis aperçu qu'au loin on pouvait voir une structure là-bas. On va aller checker ça. Alors ce jeu qui t'empêche de courir à l'infini, tu ne peux que te déplacer en courant et tu n'as pas le droit de courir à l'infini. C'est vraiment, les gens qui ont fait ce jeu, c'est vraiment des gros connards. Ils se sont dit tu peux prendre du soin qui pèse zéro, tu peux en avoir 800 tonnes sur toi. Tu peux en prendre très facilement, t'en trouves très facilement, ça coûte pas si cher que ça. Mais tu vas en chier pour courir. Affleurement de glace. Ouch, je suis rentré dans un gaz toxique. Un tas de cailloux. Vite. Du loot. Argent ne dit mais plomb. Oh, gros loot, hein. Cuivre. Là, lui et tout. Ok, intéressant, intéressant, hein. Intéressant, mais qu'y a-t-il à scanner ici à part des énormes cailloux? J'ai juste trouvé le lieu et il n'y a rien d'autre. C'est une blague zounette. J'ai vidé ce tas de cailloux. Ah d'accord, c'est juste un affleurement rocheux. C'était bien, hein? C'était hyper bien. Donc on connaît cette structure. Par contre, on ne connaît pas cette structure, qui est affichée pourtant sur la carte du monde. Hein. C'est-à-dire que on la voit, elle est là. Voilà. On peut même d'ailleurs voir son empreinte dans la carte, au passage. Comme là, là il y a un cratère ici, hein, si jamais. Voilà. C'est très rigodrôle. Pareil, ça me demandait s'il n'y a pas un truc là-bas. Je trouvais que cette montagne était très très visible de loin. Et donc une autre structure. Oh, faut marcher, putain. Bon, on va marcher, hein. Le jeu ne nous donne pas trop le choix. Nous allons nous promener. Début d'épisode très décevant, évidemment. Alors on marche, mais en courant. C'est notre style de vie. Genre vraiment, et là... Je cours, je me raccroche à la vie, je pète, je tourne, je slip, tout ça, tout ça. Il est quand même un aventurier de l'extrême qui court tout le temps, quoi. Avec nos petits proutes de jetpack. Quand même cool qu'on peut se voir troisième personne. Je trouve ça toujours très cool. Ok, on va marcher un peu. Il tourne la tête à gauche comme un fada. T'as vu un truc ou quoi? Cool. C'est marrant, il tourne la tête à gauche à fond, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est un bug du jeu, voilà, mais il tourne la tête, mais vraiment à gauche de ouf, quoi. Je peux même regarder à droite, il continue à regarder à gauche, quoi. Cette montagne l'intrigue terriblement. Je crois qu'il regarde à gauche par défaut.
Des textures qui ne chargent pas. Oula, 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 oula. Oula, oula, oula. Hangar abandonné. Oula, sauvegarde. Oula. Oula là. Oula, calmez-vous, hein. Vu la taille de ce complexe, on a de bonnes chances d'y croiser des forces de sécurité. Ouais, j'ai toujours pas de disque dur SSD, hein. Ah ok, ça m'a mis ça, quoi, carrément. Non, non, c'est en moins de là. Hein. T'es fou. Hein. C'est le moment de sortir le sniper. Ah, c'est le mec juste au-dessus qui me tire dessus. Bon, je suppose qu'ils sont partis. Il y a un monde là-dedans. Il va falloir avoir des vrais talents de sniper pour servir de ça. Je toucherai jamais rien avec ça là. Bon, je suis trop nul au sniper. On abandonne le projet. Ah, tu vaux rien. Il y avait quelque chose de valeur. Pas grand chose. Bon alors. Crève, Sharon. Ah mais en fait, je ferais mieux de. Laisse-moi tranquille toi. Je vais prendre possession de la tour plutôt. D'avoir pris la tour, maintenant faut pouvoir la garder, hein. Calibre 12, c'est plus rigolo. Y'a quoi par là? Ah, y'a encore une bâtisse par là, ok. Plein d'or, y'aura encore un truc. Ok. Je veux bien arrêter de pousser tout mon loot. Menace. Bon, de l'oignon, des machins, c'est cool. Un canon spatial, super, ou je sais pas quoi, mais. Mais un truc cool. Ok. Donc
on a plombé des sacripants. Sacripants. Ça passe pas. Il est trop gros le monsieur. Une bouteille en plastique. Ça valait tellement plus que cette caisse de stockage. C'est le déballeur, n'est pas la même pour tout le monde. Balade, ça c'est vu. Pouf pouf pouf. Je sais que par là j'ai buté un gars. Hop, je vais me le récupérer tout de suite. Voilà, c'est fait. Ça c'est la suite. Oui, tes gars sont en bas, c'est ça. C'est infâme. Le délai même pour sortir un flingue, à un moment donné, faut pas déconner quoi. C'est un peu dommage quand même. Voici d'ailleurs. On n'a pas du tout fait la plateforme. Hein. Il y a un énorme silo à missiles là. Parfait. Ouais, nous on est arrivé globalement par là. Un aimant. Un câble. Et deux munitions. Très bien. Ok.
Ok, l'accès par les escaliers. On peut l'entendre. Ça s'utilise pas, c'est pas un plan de travail ça. Non, ça rien du tout. Ouais, on établit. Établi industriel, aucun intérêt. Non mais vraiment. J'adore mettre des trucs lourds par terre pour rien. Yes, la salle de muscu. Allez. Impeccable. Tout stade fouillé que vous transportez vous ralentit sérieusement. De ouf. Ah bah là je sais que oui hein. Ah puis il y en avait pas un petit peu hein. Il y en avait beaucoup. Pouf pouf. C'est un entrepôt, d'accord. Moi je voudrais passer derrière ce mur. Dites-moi qu'ils ne produisent pas des aliments destinés aux humains ici. On peut accéder à ça là. Attends, ils me cherchent là. Là, ils savent pas sur qui ils sont tombés. Hein. Voilà. 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 J'ai le loot. I got the loot. Un peu fusionné avec le décor, mais ok, l'intention y est, on va dire. Hein. Ah, écriture Varun numéro 8. Augmente la furtivité de 1% et les dégâts d'attaque furtive au corps à corps de 5%. Cet effet est permanent. Joli ça. Le mec a un reposoir à tasse pour présenter sa tasse. C'est incroyable. Bubble. Incroyable. Oh, moi je verrais bien mettre celui-là dedans. Oh bah c'est mis hein. C'est impec. Impec de câble. Ça rentre ça aussi. Tiens, comme ça, ça rentre. Alors. Qui peut me tester? Voilà. Ah bah quasi pour flingue. Allez hop. Ça c'est dans ma poche. C'est la pitch qui est dans ma poche. Cherche, tu cherches. Boum. D'autres questions? Il avait des couilles, mais c'était avant. Ah non, le jeu qui bug. Ah non. Ah non. Hop 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 hop. Allez ici. Station policière. Ouais, du légendaire de niveau 2. Comment je suis content. Waouh, j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné ma journée. Non, pas du tout.
par contre ça continue à bugger comme ça, faut que je redémarre le jeu. Parce qu'en fait j'ai toujours pas redémarré depuis le dernier épisode. Ça a l'air d'être... ça a l'air d'être devenu une vraie base d'entraînement hein, pour pirates. Hein. Les bugs ont l'air de vouloir persister. Établi d'armes. Établi d'armes, ça nous renvoie à notre fusil là qu'on n'a pas pu voir. Bon, il a le viseur laser. Perforant, je peux pas lui mettre. Petit chargeur, je pourrais. Mode interne, il en a aucun. Je ne peux lui en fabriquer malheureusement aucun. Le de niveau 1, je sais pas pourquoi. Mais ok, et l'apparence par défaut, je peux pas y toucher. Bon, bah voilà, bah, il est au max de tout ce qu'on peut lui faire. Hein. C'est-à-dire rien du tout. Il y a un vaisseau qui s'est posé, soit c'est mon cerveau qui déconne. Et mince. Ah. Zéra de thé. C'est bon, on les a enfumés. Par contre, c'est dommage, hein, j'ai perdu leur vaisseau. Alors ça, c'est bien dommage. J'aurais bien aimé gagner un vaisseau en plus à vendre, là. Ça aurait été pas mal. Hop. Le 12, et puis on retourne dans les méandres des profondeurs. Attendez, on retourne dans les méandres, mais... Sidonia est une ville industrielle. Ouais. On s'en fout de ton Sidonie, hein. Qu'est-ce que vous m'apportez? Ok. Est-ce que c'est trié par masse ou pas? Prends 6 haltères, ça m'arrangerait.
Et c'est tout. Et c'est tout. Ah ouais, genre vraiment, c'est juste les haltères tout seuls qui font un poids de dingue. Bon, j'en profite pour lui refourguer le reste. Hein, tant qu'à être là. Voilà. Ok. Donc, un pack de câbles. Ah, tiens, je vois que j'avais pas regardé ici. Il y a des petits trucs quand même qui traînent par là. Voilà. C'est assez appréciable. Toc toc toc. Ce qui va nous intéresser, c'est donc l'entrée ici. Ouais. Tac. Ouais, c'est un peu vrai. Allez, on reprend la dépouille. Et surtout, ne ratons rien. Très important. Et juste après avoir fouillé ces lieux-là, je mettrai fin à l'épisode parce que vu que j'ai toujours pas redémarré le jeu, ben, je trouve des petites sensibleries que, dont tout se passerait bien. Ouais, on voit que dalle si j'étends. Hein. Les gens qui vivent dans le noir absolu, dans leur station. Étage là. On dirait qu'un vaisseau se pose dans le hangar. Qui peut bien être à bord? Comment ça, quelqu'un se pose dans le hangar? J'entends rien. Moi je voudrais bien. Hein. Je veux bien un vaisseau de plus. Ça je le vends. Ça va très bien. Grave ce petit bureau. Il en a des choses à offrir. Le comte de Monte Cristo. Oui. Déjà vu. Déjà vu. J'avais envie de dire encore lui. Oh, wow, ouais, ça me paraît très beau ça. Allez, ça rentre dedans. Ah, peut-être pas. Si je peux annuler, c'est R. Ouais, non, 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 il aurait servi à rien. Non, non, c'était une bonne idée. Non, pas toi, un peu plus large en écartement, genre... pas toi, genre toi. Exact. Toi, on voit ton emplacement, il sera juste en dessous. Est-ce que là, c'est de la bizarrerie qu'il me faudrait? Il me resterait 1-2 en écartement, toi t'as l'air de pouvoir le faire. Ah non, tu le fais pas. 3. Ok. 3. Ah bah, hop. Et non, il me faut un écartement. Ah, j'ai pas l'écartement qu'il faut pour le faire, donc je me suis gouré. Il y a des trucs. Il y a des trucs, c'était pas ça. On va peut-être utiliser ce brushing là. On est obligé de revenir au début. Voilà. On a tout annulé. Donc peut-être pas toi, peut-être quelque chose plus, pas ça. Plus pas ça quoi. Eh ben non, je vois pas trop. Hein. Là, si c'est pas lui, je vois pas ce que c'est en fait. Et là, je suis obligé de caler un gadget comme ça à spectre large, j'ai envie de dire. Toi, par contre, peut-être que je peux varier le plaisir en place, partant plutôt sur ça. Ce qui fait que je peux utiliser toi. Toi, je peux utiliser toi comme ça, ou alors peut-être. Ou alors peut-être. Non. Oui. Et du coup, il m'en reste un. Ok, c'est ça.
Ok, l'adepte de l'espace. Couteau quoi. Vous avez trouvé un couteau. On prend des thunes. On a pris 1000 balles. Voilà, j'ai trouvé 1000 balles comme ça. Sur une table. Pour l'amour du ciel, laissez tomber ces trucs inutiles. Rien d'inutile. Laissez le ciel là où il est. Lui, son amour, il le donne à qui il veut après tout. Moi, je le demande pas. Je demande juste des gobelets usagés. Je suis pas très exigeant. On donne des gobelets usagés, je suis content. Ok. Ok, ok, ouais, du bordel quoi, mais et pas de Panzani quoi. Ah, des munitions quand même. Et des grenades. De l'argent facile. Finalement, la cuve peut attendre. La fosse peut attendre. Une époque plus 5. La préférence d'un compte-rendu véridique de la vie à un nouveau départ recueilli auprès de résidents au fil des années. Première publication en 2324. Si quelqu'un vous prétend, comme le titre de ce livre, que la vie à l'époque du début des colonies était une époque plus simple, vous seriez en droit de leur rétorquer qu'il raconte n'importe quoi. Ce titre, et je trouve, est justement là pour répudier cette idée. Vous retrouverez ce discours dans divers médias, brochures et autres artifices corporatistes selon lequel la vie était plus simple à l'époque. Le portrait qui en est dressé, dans des séries telles que La Petite Maison dans la Glace, donne une vision idéalisée de nouveaux départs qui ne saurait être plus éloigné de la réalité. La vie n'y a jamais été simple, les témoignages que vous allez découvrir, certains remontant aux années 2150, nous offrent un aperçu unique de la réalité de la vie sur Titan. Vous découvrirez leur lutte dans ce nouvel âge de découverte ainsi que ce que cela implique aujourd'hui de préserver cet état d'esprit tout en trouvant sa place dans une galaxie qui n'a eu de cesse d'évoluer. Préface d'Amalia. Introduire un nom que si on t'a pas dit ça se prononce comme ça, tu n'arrives pas à le prononcer. Voilà. Oh, du PQ. Stock PQ. Oula. Ouais. Un livre, quoi. C'était un livre. Rangé avec le PQ. Hein. Quand même. Hein. Tout le monde s'en fout. Plus personne ici. Ok. Oui, histoire de la xénobo bio, fait pas chier. La comète, on l'a vu. Encore. Putain, elle est cool cette base, hein. Elle arrose, hein. Tablette de Clausson. Monahan, c'est le moment. Hendrik et moi, on a enfin tenté notre chance. C'est probablement ta seule chance de sortir d'ici. Tu devrais vraiment penser à te joindre à nous. On va le faire ce soir, tu sais où.
sans le plan qui a échoué, ça, je reconnais. Dommage, c'était pas fermé. Je vais m'y accrocher. Faut que je m'habitue, quoi. Oh, on peut pas dormir. On peut pas dormir. Sad. Et là, on descend. Bon, ok. On va prendre coin de pièce par coin de pièce. Hop. Il y a un PQ coincé derrière ce... Je ne peux pas récupérer un rouleau de PQ. C'est un drame. Waouh. Eh ben... Je sens que le décollage a foutu un bordel dans le jeu. Le jeu était pas prêt. Des pirates, des pirates. Un rouleau de PQ usagé. Ça, c'est important. Le rouleau de PQ usagé, je pense que... Si je l'avais pas pris, ma vie serait pas la même. C'est vraiment de loin l'item le plus important du jeu, je pense. Ok, ils ont défoncé tous les panels. Ah oui, ça a bien tout fait valdinguer. Autant jeu d'échecs juste à côté d'une piste de décollage. J'ai envie de demander si c'était bien intelligent. Je pense qu'on me répondra que non. Le seul crétin qui est mort en bas. Voilà. Voilà. Ou à force de fouiller, on finit par trouver des trucs intéressants. Ok, j'allais dire, c'est quand même des gens qui mangent des fruits. Non, non, ils s'en servent juste pour balancer des fruits, ok, sur une cible. Ok, ok, ok. C'est vraiment, ils sont juste là pour s'amuser. Quoi, c'est quoi ce cirque? Il m'en reste un que j'ai pas tué. Ça, c'est beau. Ah, il est là. Coucou hibou. Je déconne pas mec, j'ai quand même pas gaspillé plus de munitions que ça pour toi. Ok. Il y a une énorme différence entre se tenir prêt et transporter trop de choses. Je me tiens prêt et je transporte trop de choses. Par contre, l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Désolé. Je connais cet accès. On risquerait de se mettre le propriétaire à dos. Visiblement, le proprio, c'est celui qui tue les autres. Hein, donc, maintenant, c'est moi le proprio. Oh. Oh, la belle planque. Ah, ici, ils avaient des bons plans. Hein. Bah ça va pouvoir être possible autrement que comme ça et probablement toi comme ça. Ok. Non. Je pourrais rien en faire. Comment comment ils veulent que je résolve ça? Ça rentre ici hein? Ça rentre jamais. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Ça rentre pas en fait, ça, genre juste ça rentre pas. Ça jamais ça rentre, tu rêves. Voilà. Donc c'est pas possible ton truc. Il y a un truc qui m'a échappé. Là ça voudrait dire qu'il faudrait que j'utilise un 3 là-dessus. Ah peut-être toi. Ah peut-être toi, toi tu tiens peut-être. Bah non mon cul sur la commode hein. Non non. Quitte, ouais ouais je m'en fous. On va le recommencer, t'es suspect ton truc quand même. Hein.
Ok, c'est pas utile. C'est pas utile. Ok. Certes. Et en deux. Oh, c'est bon, je le vois. Il est là. Voilà. Ok. Ok. Je ne connais pas cet endroit, effectivement. Je pensais le connaître, mais faux. Ça me disait vaguement quelque chose, mais faux. J'ai menti. Ça mène à l'ascenseur, ça, non? Vous savez pourquoi j'adore voyager avec vous? Parce que vous m'emmenez dans des endroits super. Pirates, quoi. Résumé, ce sont des pirates. Votre cantine. Plutôt mignonne, votre cantine. J'ai ramassé une grosse poubelle. Je ne sais même pas où le gars il la met dans son inventaire, tu sais. Ok, ok, ok. De la bouffe. La bouffe. De la bouffe. Pourquoi tant d'obsession pour la bouffe? Alors là, aucune idée. Aucune idée. Il est là l'ascenseur. Alors dans le doute, on va le prendre quand même au cas où ça mènerait pas à là où je pense. Mais bon, normalement. Normalement, avec ça, on sort. Ouais, du câble. C'est cassé. Enfin, on dit pas c'est cassé, on dit c'est pirate. C'est piraté même. Lol. Il y a un paquet de merdier là. Je trouve qu'il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose d'intéressant. Il y a de la bouffe quand même qui traverse l'état. Ça charge. Ok, ça charge pour nous faire sortir. Bon, nous avons vu cet endroit. On peut y retourner. Attends, il est pas encore. Vas-y. Un entrepôt. Excellent. Je pourrais me laisser convaincre de fouiller quelques caisses. Et ben on continue notre visite par ici. Vous transportez assez de bazar ou vous voulez qu'on en trouve plus? Les deux? Non, si on peut faire les deux, moi ça me va. Hmm.
l'argent et du chlore. Ok. Faut qu'on souffle un peu, hein. Parce que, un, on est lourd, deux, on a quand même bien cavalé. Mission. Pinch. Des crédits. Ah, des souhaits, hein. Et bah, je crois qu'on a quasiment fait le tour. Quasiment, mais pas. Ouais, ça aurait été dommage de pas passer là. On est au bout. On est au bout, mais on est aussi au bout. C'est ça qu'il faut voir, quoi. Et cette zone a été explorée. Et donc c'est bon. Bah, on a fait le tour. Donc bah, moi je vais vous laisser. Hein. Je vais me galérer tout seul comme un grand à faire le demi-tour. C'était Knarfrank sur Comme d'habitude Gaming pour Starfield. Et je vous dis à la prochaine.